Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui l'Elohim Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucien Batrina et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étions Masechet Sota, Perek Aleph Mishnah Gimel Velo Asurot Melechol Bitruma. Aomeret Tmea Ani Lach, Veshebaou Edim Shei Tmea, Veaomeret Enishota, Veshebaala Enorotsele Ashkota, Veshebaala Baalea Baderech. Keitzad osela. Molicha le bet din shebeoto makom, umosrin lo shnei talmidei chachamim shema yavo aleha baderech, Rabbi Yehuda omer baala neheman aleha. On a deux sujets dans notre Mishnah, avec le premier sujet qui est en fait la suite de la fin de la Mishnah précédente, où on avait évoqué que lorsque une femme, on va d'abord parler du cas, pas de la sota, puis après on va revenir sur la sota. Une femme qui a commis un adultère, alors elle est interdite à son mari, elle est interdite à celui avec qui elle a eu le rapport, c'est-à-dire même le jour où elle divorce, elle n'a pas le droit de se marier avec lui, assura la Baal, assura la Boel, assura le Menechol Bitourma, et c'est déduit ça de Psukim, il y a marqué trois fois Venit Mea dans la parasha de la Sota, on déduit de là qu'elle est devenue interdite à son mari, interdite au Boel, et interdite aussi de manger de la Tourma, que si jamais elle était mariée à un Kohen, elle n'a plus le droit de manger. Ou encore, si elle était fille de Cohen et son mari va la divorcer et qu'elle n'a pas d'enfant, en théorie, une fille de Cohen qui divorce, qui n'a pas eu d'enfant, elle repart dans la maison de son père et elle a le droit de remanger de la trauma. Mais en l'occurrence, si elle a eu un rapport interdit, elle est interdite parce que maintenant elle prend un statut de zona. Zona à ne pas traduire par prostituée, mais plutôt par une femme qui a eu une relation non conforme. Elle comprend facilement le nom de zona dans la Torah. Pas forcément lorsqu'on... D'accord ? Toute femme qui est tisnée, tishtou, une femme qui trompe son mari, ça s'appelle une zona aussi. Ça, c'est quand la femme a clairement transgressé. Si la femme n'a pas, on ne sait pas ce qu'elle a transgressé, mais on a maintenant entamé le processus de la sota, qui implique kinouï, stira, mais il n'y a pas de edeichoud. Kinouï, le mari l'a averti, tu ne t'isoles pas avec un tel, devant deux témoins. Et ensuite, on a deux témoins qui l'ont vu s'isoler, on ne sait pas ce qu'ils ont fait dans la chambre. Elle est interdite par la Torah à son mari, au Boel, et à manger de la Tourma, jusqu'à ce qu'elle boive l'eau de la Sota, comme on apprendra le rituel, comment est-ce qu'il faut faire, l'amener au Beth Amikdash pour qu'elle boive l'eau avec la parasha de la Sota qu'on a effacée dedans, et qu'elle fasse la Mincha, et que soit l'eau va la vérifier. D'accord? Mais tant qu'on n'a pas vérifié, alors elle est interdite, mais elle est interdite par la Torah, pas dans le doute. Même si elle va nous jurer partout, même si lui, le Boel, celui qui a fait qui avec elle s'isole, même s'ils vont nous jurer, non, vous vous êtes isolé, ça interdit. Le mari l'a inverti. Une femme qui s'isole avec un homme, elle n'est pas interdite à son mari. Le mari l'a divorcé, tout ça, c'est pas une bonne conduite. On ne sait pas ce qu'ils ont fait dans la chambre, on ne sait pas ce qu'ils ont fait dans la maison. Ça peut être même une maison, un lieu enfermé, tout simplement. Pendant. Ils se sont isolés, elle n'est pas interdite à son mari, elle a une chesquette cachoute. Cette femme-là, qu'on a avertie, et que malgré tout, elle s'est isolée ensuite, alors là, elle a perdu sa chesquette cachoute, et à la Torah, elle l'a interdite, mais Torah de Vadaï. Et on avait aussi rapporté que maintenant, le mari n'a plus le droit de rester avec elle, il ne peut pas lui pardonner, elle est devenue interdite. Elle lui est interdite, d'accord? Au Baal, au Boel, et même aussi de manger de la Trouma. C'était ce qu'on a vu dans la Mishnah précédente, et maintenant, en rapport avec ça, on continue, maintenant, on va extrapoler un petit peu. On va étaler un petit peu, élargir les principes de femmes qui perdent le droit de manger à de la trauma. Delo asurot melechol bitourma. Telles sont les femmes qui n'auront plus le droit de manger de la trauma. Une femme qui était mariée à un Cohen et qu'elle n'aura pas le droit de manger de la trauma. Omeret tmeani, celle qui va dire que je suis impur, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de témoin, on ne sait pas, son mari va l'avertir, on ne sait pas ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu. Elle nous raconte, écoute, j'ai fait commis un écart, elle a plus le droit de manger de la trauma. D'accord? Elle est devenue maintenant, par sa bouche, elle s'interdit. En plus, Veshebaou Edim Sheit Mea, encore une femme qui a eu des témoins, qui sont venus témoigner, qui l'ont vu faire transgresser. Vous allez me dire, heureusement, s'ils l'ont vu transgresser, s'ils ont vu avoir un rapport avec un étranger, il faut la prendre et la tuer, même cette dame-là. C'est quoi? Des témoins qui l'ont vu. La Gemara, elle explique que c'est venu nous rendre un super grand filouche. Que même si le mari, il a procédé au rituel de la sota, il a averti. Et elle s'est isolée avec deux témoins. Il l'amène au Beth Amikdash, il lui fait boire de la sota. Elle sent du Beth Amikdash, elle n'est pas morte. Et qu'après coup, il y a des témoins qui ont dit, mais
Quand elle s'est isolée, nous on était dans la fenêtre de l'autre côté, on les a vus tous les deux. Alors qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Eh, l'eau de la sota, elle a bu, elle n'est pas morte. Alors soyez, elle n'est pas morte. Les témoins, on va peut-être plus les croire, vous allez me dire, eh ben non, figurez-vous que non. On apprendra toutes les conditions requises pour que l'eau de la sota la vérifie. Et une des conditions requises, c'est que ce soit quelque chose qu'il n'y a pas de témoins qui sachent, qui connaissent son écart. Parce que c'est des témoins qui connaissent son écart, l'eau de la sota ne vont pas la vérifier, et en l'occurrence, on va croire les témoins. D'accord? Donc ça fait déjà maintenant deux femmes, il y a celle qui dit que je suis impure, ou celle qui a des témoins qui vont venir témoigner sur elle, qu'elle a eu, qu'elle a commis l'acte. Et même si elle a déjà bu la sota, et à part ça, Véromeret et Nishota, et la femme qui dit que je ne veux pas boire, elle ne veut pas avouer son erreur. Son mari le dit, hey, je t'ai averti, tu t'es isolé, viens, je t'amène au Batamigdash. Il lui dit, non, je ne veux pas partir. Pourquoi, qu'est-ce que ça fait? J'ai rien fait? Tu ne veux pas me croire? Ne me crois pas, divorce-moi. Bon. Ben, si c'est une fille de Cohen, le mari va la divorcer, elle ne pourra plus aller manger dans la maison de son père. Parce qu'elle a dit « Enishota », même si elle dit qu'elle ne veut plus boire. Ok. Encore maintenant, « Veshebe ala ». Donc ça, c'est le cas classique qu'on avait dit, que depuis le moment où elle a été avertie, elle s'est isolée, elle devient interdite de manger de la tourma. Mais même si elle avoue pas qu'elle a commis l'écart, le mari ne peut pas la forcer à venir boire si jamais elle préfère divorcer. Elle lui dit, c'est tout, divorce-moi, ne me donne pas la ktouba, puisque de toute façon c'est moi qui suis en tort maintenant, c'est moi qui me suis isolé. Dans ce cas-là, le mari ne lui donne pas la ktouba et elle ne pourra pas boire. Elle n'aura plus mangé la tourma. Mais elle n'aura pas besoin de partir au Beth-Midrash pour boire. De même aussi, Veshe Be'ala Enorotse Lashkota, une femme que son mari ne veut pas la faire boire. Dans quel cas? Alors, c'est pas tellement précisé. Je suppose que... Peut-être que ce sera explicité plus loin dans le Mefarshim, ici je ne l'ai pas vu, qu'on parle d'un cas, par exemple, le mari n'a pas envie de la faire boire. Il en a marre d'elle. De toute façon, elle est trop. Elle va boire, elle va réussir à s'en sortir, mais cette femme-là, de toute façon, elle ne fait que de rôder avec des hommes. Elle va finir par faire des... Il en a assez. Je l'ai averti. Je l'ai averti. Pas moi, Chazou Shalom, c'est une syndica. Alors, il a averti sa femme, et elle s'est isolée, et maintenant la femme me dit, mais non, Sam, tu me soupçonnes pour rien, amène-moi au Beth Amikdash. Je lui dis, ça y est, j'en ai marre de toi, tu m'as fatigué, toujours toi, avec des histoires de gars et de trucs, chut, get. Alors il devra lui donner le get, et elle ne pourra plus boire manger de la trauma, d'accord? Même si c'est le mari qui veut le voir. Et encore, un autre cas très particulier, c'est, ou encore, la femme que son mari a eu un rapport avec elle sur le chemin. De quoi on parle? On parle que, depuis le moment où le mari il a procédé au rituel, il a averti, la femme elle s'est isolée, il doit maintenant impérativement la prendre et d'aller au Beth Amikdash. Comme on a dit, le mari n'a plus le droit d'avoir des rapports avec elle pour le moment. Elle lui est interdite comme une femme qui est une vraie zona, comme si elle avait commis l'adultère, interdite avec elle. Jusqu'à qu'on lui fasse boire les eaux. Et bien si, depuis ce moment-là, où maintenant il y a eu un soupçon, très conséquent devant lui, si depuis ce moment-là le mari il va avoir une fois un rapport avec elle, si elle va aller au Beth Amikdash, les eaux ne vont plus la vérifier. C'est déduit ça du pasuk Venuka Ishme Avon, il y a un pasuk qui nous dit dans ce cas, on l'expliquera beaucoup, beaucoup plus longuement, que le mari, c'est que si lui-même il est propre lui-même, alors l'eau de la sota, que quand elle va boire l'eau, et qu'elle va, si elle a transgressé, elle va se décomposer, elle va mourir, c'est un miracle, vous êtes d'accord? Imaginez quelqu'un qui boit de l'eau amère et qui va mourir. Elle est pire que ça. Comme on verra, c'est une eau que, si jamais elle n'a pas fauté, elle va avoir plein de brachot, elle va désormais avoir plus d'enfants, des enfants beaux, des enfants réussis, alors que si elle a fait la vera, elle va se décomposer. C'est un pur miracle. C'est un miracle qui marche que si le Ham Israël a un certain niveau de Gdusha, et une... On aura l'occasion d'en reparler plus dans les détails, ce sera explicité beaucoup plus vers la fin de la Maseret. Et à un niveau de Gdusha, et d'abord, avant de parler du Ham Israël qui est au niveau de Gdusha, il faut d'abord que le mari soit au niveau de Gdusha. Si lui-même, il fait des Averot de ce type, alors les eaux ne vont plus la vérifier. Il faut comprendre quand même un petit peu l'enjeu. Lorsqu'on va au Beth Amikdash pour boire les eaux de la Sukkah, on va prendre une paracha avec le Shem Hashem, et on va l'effacer dans l'eau. Vous savez ce que ça veut dire qu'effacer le nom d'Hashem? C'est très grave d'effacer le nom d'Hashem. Et là, la Torah l'a dit, tu effaces la paracha. C'est pour ça que si jamais maintenant, on va facilement, tu crois qu'on va effacer la paracha pour quelqu'un que de toute façon c'est un bzorob, il va de toute façon, il va faire le papillon chez un peu tout le monde.
Alors, il y a ici un certain niveau de Torah, de respect, tout ça. Alors là, les autres vont le vérifier. Si le mari n'est pas propre, les autres ne vont pas le vérifier. D'accord? La vérifier la femme. Et même si le mari est très propre, mais avec elle, il a eu un petit écart. Que depuis le moment où il a appris qu'il y avait un problème, malgré tout, il y a eu un petit moment où finalement ils se sont retrouvés tous les deux, puis ils ont essayé de. Et il a eu un rapport avec elle. Dès lors, l'eau de la sota ne vont plus le vérifier. Donc maintenant, il se retrouve avec une femme qui s'est isolée, qui avait, après avertissement, et qu'elle ne peut plus boire les eaux de la sota pour savoir est-ce qu'elle a fait ou elle l'a commis, est-ce qu'elle a commis ou est-ce qu'elle n'a pas commis. Du coup, le mari est obligé de la divorcer, elle ne pourra plus manger de la trauma parce qu'elle reste dans ce statut-là qu'elle est, dans le doute, elle est interdite à lui, ou à l'autre, à celui avec qui elle s'est isolée, et même de manger de la trauma, d'accord? Fin de la première partie. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, on va commencer le procédé, comment faire. Bon, il a averti la madame s'est isolée. Qu'est-ce qu'il fait avec elle maintenant? Comment doit-il procéder? Keitzad osela, comment doit-il maintenant procéder? Molicha le bet din shebot makom. Dans un premier temps, il va partir au tribunal de son lieu. Il habite à Tel Aviv. Il va au tribunal de Tel Aviv, il dit « Gvod Arabanim, voilà ce qui s'est passé, j'ai averti ma femme devant les deux témoins. » Il a averti sa femme devant les deux témoins. Elle s'est isolée, voilà les témoins. Il faut maintenant qu'on aille vérifier les eaux de la sota. Il ne part pas directement au Bet Amigdash avec elle, il va d'abord au Bet Din de sa ville. Le Bet Din de sa ville va maintenant lui délivrer une escorte pour l'amener au Bet Amigdash. De là-bas, on va lui donner deux Talmidei Chachamim, deux Talmidei Chachamim, deux Tzadikim, deux Avrichim, des gens qui étudient la Torah, qui vont les escorter pour partir ensemble au Bet Amigdash. On ne va pas les laisser partir tout seuls, comme ce qu'on va voir tout de suite. Pourquoi? Shema Yavo Alea Baderer, de peur que sur la route, elle va lui faire ses yeux doux, et puis ils vont avoir un rapport entre eux, et l'eau ne va plus pouvoir la vérifier. Donc, du coup, pour pouvoir. Éviter cette situation-là, il faut lui transmettre deux émissaires qui vont maintenant, ils vont depuis la porte du Bet Din jusqu'à qu'ils arrivent au Bet Amigdash, ils marchent ensemble, qu'il n'y ait pas d'écart. Pourquoi deux? Deux raisons pourquoi. D'abord, comme ça, si toutefois il y a un écart, il y a deux témoins qui peuvent témoigner que cette femme ne peut plus boire. Si toutefois il a un rapport finalement avec sa femme, ils sont gelés, ça pouvait prendre quelques jours. Chacun avait sa tente en pleine nuit. Chacun, ils avaient mis quatre tentes, donc chacun pour les deux Talmidei Chachamim, une tente pour le monsieur, et une tente de la madame. Et la nuit, on a remarqué qu'en fait, il s'est levé pour aller aux toilettes, en réalité, il est parti chez elle. Donc du coup, il fallait deux témoins, deux témoins Talmidei Chachamim qui soient érudits pour le prévenir de ne pas aller voir sa femme. À part ça, une deuxième raison, pourquoi deux? Là, grand aussi l'explique, parce qu'on n'a pas le droit, sur le chemin, toutes les lois de Yichud, c'est assez complexe. Dans quelle mesure un homme il a le droit de se retrouver plus ou moins seul avec une femme. Mais concrètement, deux hommes avec une femme, quand ils sont sur le chemin, c'est un problème, il faut qu'il y ait trois hommes. Pourquoi? Parce que de peur qu'un, il va avoir besoin d'aller aux toilettes, ça va durer pendant un peu plus longtemps, et puis pendant 100 ans, les deux autres vont voir. Donc il faut qu'il y ait trois. Trois hommes et une femme. C'est pour ça qu'il faut deux. Deuxième raison. D'accord? Donc, je récapitule maintenant le but de la Mishnah. Donc, comment procède-t-il? Il commence par le Bet Din de sa ville. Le Bet Din de sa ville va lui donner maintenant deux shlichim, deux Talmidei Chachamim qui vont l'accompagner jusqu'à le Bet Amigdash, de peur qu'il va avoir un rapport avec elle sur le chemin. Comme ça, on est sûr qu'ils vont plus pouvoir se retrouver s'isoler les deux ensemble. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit pas du tout. Bah, la Neeman Aler, il n'y a pas besoin de lui donner une escorte. Que le mari prenne sa femme, on lui délivre le papier, on lui dit oui, tu peux partir au Bet Amigdash, tu pars au Bet Amigdash. Tu diras aux témoins qui viennent témoigner pour toi, si tu veux, ou bien on a peut-être reçu les témoins déjà depuis tout de suite. Et tu vas au Tamigdash, tu amènes cette lettre du Bet Din qui dit que procéder au processus de la sota, on a vérifié tout ce qu'il fallait, on a reçu les témoignages, et maintenant, à vous, au Bet Amigdash, de le faire boire. Et le mari, il est cru qu'il ne va pas avoir de rapport avec elle sur la route. Pour quelle raison il est cru? Tout simplement parce que on a tous, les femmes Nida, de temps en temps à la maison. Oh, on ne colle pas de témoins que de peur que quand elle est nida, on va passer de notre lit à son lit. Il y a pas... Donc un homme, il sait se tenir avec sa femme et ne pas transgresser ce qu'il ne doit pas transgresser. Lorsqu'il a une période interdite, il sait ne pas avoir de rapport avec sa femme.
Alors, au même titre, Rabbi Yehuda va nous dire, sa femme, elle lui est peut-être interdite, c'est vrai, mais on a qu'à lui dire, tu sais, maintenant ta femme, elle est interdite. À Yom Kippour, on n'a jamais entendu qu'un homme n'a pas le droit de rentrer dans la chambre avec sa femme de peur qu'ils vont avoir des rapports. Ça souffre, c'est très grave, à Yom Kippour, Chas V'Shalom, c'est un des cinq inouïmes. Pas du tout, un homme, il est cru, il ne va pas avec sa femme quand il est Nida, il ne va pas avec sa femme quand c'est Yom Kippour, et il ne va pas avec sa femme lorsque sa femme ne peut pas avoir de rapport avec lui, parce que maintenant il faut aller l'amener boire les eaux de la Sota au Beth Amikdash. Il est crédible. Chachamim ne sont pas d'accord sur ça, pour quelle raison? Parce que tout ce qu'on a évoqué, la femme quand elle est Nida, ou Yom Kippour, si jamais il a un rapport avec elle, c'est très grave. C'est passible de karet, c'est un avéra très grave. Alors que là, l'interdit d'avoir un rapport avec sa femme, qu'elle a eu un écart, c'est pas, il n'y a pas de issur karet, et on n'est même pas frappé sur cette avéra, on a transgressé une mitzvah assez, qu'on n'a plus le droit, venit mea, elle est devenue interdite. C'est un interdit, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de transgresser, mais moins l'interdit va être violent et faire peur, et plus ils vont risquer de transgresser. De transgresser, justement, c'est pour ça qu'il faut les coller, les deux Talmid Chamim, de peur qu'ils fassent la laquelle. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol, Tuv, Sela.